Soyez tous salués et soyez bénis par Teta Mwangali Banga Banga, le grand architecte de l'univers, et qui vous accorde paix, grâce et surtout vigilance. Bien, écoutez, je viens vous faire cette petite communication pour vous confirmer qu'effectivement, je serai dans vos murs dans quelques heures au niveau du Gabon. Et que comme cela initialement maintenu, enfin annoncé, la rencontre que nous allons avoir et dont le chargé, n'est-ce pas, le responsable local au niveau de Libreville, vous fera, le moment venu, vous communiquer le lieu où ce séminaire aura lieu. Alors j'insiste beaucoup sur ce mot séminaire, car en effet, vous le savez, que il y a quelques mois, nous sommes entendus et qu'il était question que nous organisions un séminaire du 28 octobre jusqu'au 2, voire 3 novembre. C'était un séminaire qui devait s'étaler sur une période de 5 jours et lequel séminaire devait être, n'est-ce pas, basé sur beaucoup plus des travaux. D'accord? Bon, maintenant, j'ai prévu un voyage privé au niveau du Gabon et que beaucoup d'entre vous aviez émis le vœu de me rencontrer. Alors, je me suis dit, tiens, bon, si vous le voulez, je vais pouvoir trouver des dates. Hein. J'ai fait des sacrifices pour pouvoir arrêter cette date-là dans mon calendrier durant mon séjour, qui est un séjour purement privé. Vous savez que je suis impliqué dans d'autres activités en dehors de mes activités mystico-spirituelles. Donc, ceci étant, les dates du 3 vendredi et du 4 samedi ont été arrêtées. Vendredi, j'insiste sur séminaire. Pourquoi? Ben parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et de deux, vous savez qu'un séminaire, il y a des éléments classiques qui sont mis à jour, c'est-à-dire la logistique, également les frais que vous devez payer à votre humble serviteur quand il se déplace. Et quand je parle de la logistique, c'est-à-dire que mon billet d'avion à le retour, je parle également de la résidence où je serai, qui doit être dans un milieu tout à fait de solitude, de calme absolu. Et également les transports et tout et tout, tout est à votre charge. Et vous verrez que c'est différent de ce qui va se passer. Différent pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est moi-même qui me déplace. C'est des gens qui m'ont, comment dirais-je, qui ont réservé d'avance. Bien sûr, j'ai payé mon billet, cash, et dans les différentes zones où j'ai été invité en dehors du Gabon. Alors, je n'aimerais pas que beaucoup d'entre vous puissent prendre avantage de cela. Voilà pourquoi je le répète. Durant ce semi-séminaire, voici le programme tel qu'il est établi. Sauf si j'ai quelques arguments, je vais dire des éléments qui manquent. Vendredi, c'est la journée de toutes les questions. Je dis bien toutes les questions sans tabou qui vont être abordées. Donc, au sorti de cette journée de vendredi, de toutes ces questions sans tabou qui vont être abordées, et donc je vais faire un résumé. Et de ce résumé, donc, vont ressortir des recommandations pour ne pas dire des. Je vais sélectionner des propositions pratiques en termes de. D'abord, je veux profiter donc durant ce temps. Je sais, depuis les États-Unis, j'avais déjà identifié de manière mystico-spirituelle quels sont les problèmes qui vous préoccupent. Je viendrai juste donc ce vendredi pour avoir une confirmation de cette question-là, pour comprendre pourquoi il y a des blocages, pour comprendre pourquoi il y a certains trucs. Alors, samedi, ce sera une journée beaucoup plus pratique. Pratique dans le sens que nous allons faire des exercices purement doux, c'est-à-dire ce que je vous avais appris dans ma bibliographie ou vidéothèque, ce que j'appelle l'initiation douce. Donc, des techniques d'initiation douce vont vous être révélées. Et pour ceux dont j'aurais identifié les problèmes de manière générale, parce que tous les hommes, que ce soit homme blanc ou noir, nous avons tous les mêmes difficultés. Et de ce fait, donc, je vais pouvoir vous donner un ou certains rites que je n'ai jamais montrés au public et qui vont rester secrets pour vous aider à résoudre vos problèmes au quotidien. D'accord?
Ça va être mon bonus gratuit pour vous. Il tient à être rappelé que ce séminaire, je ne reçois aucun sou de vous, s'il vous plaît. Même pas un franc. Ça, il faut bien retenir cela. Et que le montant qui vous a été demandé, c'est pour couvrir les frais des milieux que nous avons, que du moins le responsable a choisi pour pouvoir avoir ce séminaire. Parce que ça doit être un endroit calme, reculé, loin du bruit. D'accord? Et ça ne coûte pas 100 francs. Ça va jusqu'à plus du million. Je vous informe. Parce que là-dedans va être inclus le séjour, va être inclus le petit déjeuner, va être inclus le dîner, d'accord? Va être inclus d'autres éléments tels que ce que vous allez consommer. Et ça, c'est de l'argent que vous allez donner. Vous verrez que le montant que vous donnez ne couvre même pas la moitié de cela. Donc, une fois de plus, je fais un sacrifice. Non seulement je paye mon billet pour venir, mais en plus, vous ne me donnez aucun frais de tout ce que je vais donner là comme élément d'information. Vous ne me payez aucun frais sur les questions que vous allez poser et dont je vais vous répondre sans tabou. Je vous donnerai des rites gratuitement, alors que c'est des rites qui coûtent des millions. Il faut bien retenir cela. Donc, du petit montant qu'on vous demande là, je ne reçois aucune somme. Et je suis honnête avec vous. Donc, ça, c'était très important que vous le sachiez. Et que quand vous allez venir, ce n'est pas un séminaire au mot tel que nous l'avions prévu. Parce que le séminaire couvre tout. Et des thématiques ont été déjà sélectionnées. Or, là, il n'y a rien. C'est pour cette raison, vendredi d'abord. Au cours des questions tabou que vous allez poser, je vais choisir deux ou trois thèmes. Et ce sont ces thèmes où il y aura la practicabilité. Donc, nous allons passer à l'aspect pratique samedi. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis semi-séminaire. Donc, cela doit être clair. Je ne reçois aucune personne pour des consultations. Il y a des gens qui m'ont contacté en privé depuis longtemps. Et donc, je serai sur ma submergée. Des couples, surtout pour le cas des cas des études de compatibilité. Il y a des gens qui sont prêts à se marier, mais ils veulent avoir des confirmations, des génies, des ancêtres. Ceux-là, ils ont déjà payé des sommes énormes. Donc, cela doit être clair, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que les gens, à la fin, je veux me faire consulter. Non, 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 non. Dernier élément. Que chacun de vous amène avec lui une torche indigène. J'insiste dessus. Que chacun amène une torche indigène. Je me chargerai. Je m'occuperai de la charge mystico-spirituelle de cette torche. Je connais mes propres secrets. Je vais pouvoir vous charger cette torche indigène. Ainsi, quand vous allez l'amener chez vous et quand vous allez faire vos demandes ponctuelles, nos ancêtres, Tetamwanga, Tetanzambe, vous répondra tranquillement, sans forcer les choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi. Ça marche. Donc ça, c'est le dernier élément. Que chacun de vous amène une torche indigène. Ceux qui ne vont pas amener, il ne faut pas en vouloir les autres. Parce que je ferai des charges magnétiques là-dessus. C'est exceptionnel. Généralement, au cours des grands séminaires, je demande les gens d'amener des bagues, des chaînettes, que je fais des charges assez spéciales pour pouvoir renforcer vos voeux les plus profonds. Mais là, c'est juste la torche indigène que je demande. Que Tétan Mwanga di Banga Banga vous bénisse. S'il y a d'autres choses que je veux pouvoir apporter comme information, je les communiquerai le moment opportun. Donc, cette vidéo va être postée sur TikTok, sur YouTube, également sur, on l'appelle, sur Facebook. Merci encore. Merci. Et ne manquez pas, du 3 au 4, vendredi et samedi, soyez tous présents avec votre prochain indigène et avec toutes vos questions qui vous concernent, sans tabou. Merci.